T'es prêt, Lucas? Prêt. Donc, quels sont les défis uniques que peuvent rencontrer des mécanos sur le tour, tels que le Tour de France? Les défis uniques qu'on a sur le Tour de France, c'est que tout est plus gros, tout est démultiplié. Alors, question mécanique, on essaye d'anticiper au mieux et de vérifier au mieux les vélos pour éviter tous les problèmes qu'on peut avoir. On essaie d'avoir un maximum de matériel dans la voiture et c'est pour ça aussi qu'on a 3 séries de vélos par fille pour le Tour de France. On a une deuxième chance avec la pierre, c'est qu'on a 2 modèles différents. On a un modèle qui est plutôt typé montagne et un modèle qui est plutôt typé course plate, sprint. Ce sont des vélos qui ont des caractéristiques et chacune a besoin d'y trouver son intérêt dans chaque type de matériel qu'elles peuvent utiliser. Le partenariat entre l'équipe et la pierre, il est fort. Ils nous ont permis clairement de passer un cap. Un cap en termes de performance et en termes de budget. Aujourd'hui, on travaille main dans la main. Le but, c'est qu'on soit les ambassadrices de la marque, tant pour le développement de notre sport au féminin, mais aussi pour faire voir que les vélos à la pierre sont extrêmement polyvalents. Pas normal. Par rapport au design de notre vélo cette année, c'est toujours un plaisir d'avoir des vélos différents et de monter des vélos neufs. Donc c'est vraiment plaisant d'avoir un design spécial Tour de France encore une fois. Le design de notre vélo cette année, il est original. Il a été travaillé en collaboration entre la pierre, les équipes Urbama FDJ, FDJ Suez et les artistes Obvious. Il a été réfléchi et travaillé avec une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un peu une volonté aussi de l'équipe d'être dans l'innovation et d'essayer d'avoir des coups d'avance sur les technologies. Il y a un parallèle qui est fait entre l'intelligence artificielle et les premiers scientifiques comme Léonard de Vinci sur le design du cadre. Il y a une relation un peu entre l'art et la science qui sont représentés par les fleurs et les engrenages mécaniques. L'avenir avec la pierre est assez simple. Il faut qu'on soit dans un partenariat gagnant-gagnant. Du moment où on aura toujours, nous, de notre côté, l'impression d'avoir les meilleurs vélos au monde et que eux, de leur côté, ils auront l'impression de supporter l'équipe cycliste qui leur ressemble le plus, celle qui leur permet d'avoir des retours d'image, des retours de performance, je vois pas de soucis pour l'avenir de notre collaboration pendant qu'on reste sur le même rapport humain avec les mêmes exigences et les mêmes envies. Notre vélo pour le Tour de France, c'est toujours le Zelus SL3, le même qu'on utilise chaque année, c'est juste le design qui change. On aime bien marquer les esprits avec un vélo spécial pour le Tour de France comme l'an dernier. C'est bon. Et comme les années futures. Ok, merci Lucas. C'est dans la boîte.